Je ne sais pas pourquoi j'attends ici. J'attends simplement. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui prendra le message et continuera. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après moi pour prendre le message. Et écoutez-le aussi longtemps que ces scriptures restent avec vous. Nous allons en parler par la grâce de Dieu cet après-midi. Let me say this again. Et permettez-moi de dire ceci encore. It's a great privilege for me to be here today. C'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. I just have to understand what's going on. Et je dois encore comprendre ce qui se passe. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. And I say in closing, et pour conclure, je vais dire ceci. All the brothers who are ready to take their stand on the word of God. Et tous les frères qui veulent prendre leur position dans la parole de Dieu. I want you to know this. Je voudrais que vous sachiez ceci. And please take it to your heart. Et s'il vous plaît, prenez ceci dans votre cœur. There is no one on earth esteeming Brother Branham's ministry higher than I. Il n'existe aucun homme sur la terre qui estime le ministère de Frère Branham comme moi je le fais. I even make a second statement. Et je fais encore une deuxième déclaration. I would have had no ministry except the ministry of Brother Branham. Je n'aurais pas eu un ministère s'il n'y avait pas le ministère de Frère Branham. And maybe, et peut-être, you would have no ministry in the body of Christ except the ministry God has given for this day. Vous n'aurez pas eu un ministère dans le corps de Christ s'il n'y avait pas le ministère que Dieu a donné aujourd'hui. God works in harmony. Dieu travaille toujours dans l'harmonie. All things happen according to the word of God. Tout arrive selon la parole de Dieu. But I must give you a warning. Mais je dois vous dire un avertissement. If you make the statement, si vous faites des déclarations, the prophet said, le prophète a dit, the prophet said, le prophète a dit, and you cannot back it up with the word of God. Et que vous ne pouvez pas appuyer cela avec la parole de Dieu. You cannot open the scriptures. Et que vous ne pouvez pas ouvrir les écritures. And you cannot point with your finger on the scripture. Et que vous ne pouvez pas avec votre doigt montrer cela dans les écritures. Then there is a misunderstanding. Et alors il y a une mauvaise incompréhension. There is not a single teaching in the messages of Brother Branham. Il n'y a pas un seul enseignement dans les messages de Frère Branham. That is outside the word of God. Qu'on trouve en dehors de la Bible. He was a prophet. Il était un prophète. And the word of God comes to the prophet. Et la parole de Dieu vient au prophète. But the question is, mais la question est celle-ci. Why are there so many interpretations? Pourquoi existe-t-il tant d'interprétations? There's only one original word. Il n'y a qu'une seule parole originale. The promised word for today. La parole promise pour aujourd'hui. Forget all interpretations. Oubliez toutes les interprétations. Return to God. Retournez à Dieu. Return to the word. Retournez à sa parole. Because the bride will be a word bride. Parce que l'épouse sera une épouse parole. So may God bless you. Ainsi que Dieu vous bénisse. May he be with you. Et qu'il soit avec vous.